Téléstar, vous avez réintégré le jeu après l'abandon médical de Martin. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que vous aviez une seconde chance? Rudy, c'était incroyable. J'ai été très surpris. Quand j'ai compris que j'allais revenir, j'ai pensé à ma vengeance et je me suis dit que j'allais tout faire pour aller le plus loin possible. Je me suis aussi demandé ce qu'il s'était passé pour que je puisse revenir, parce que je ne savais ni ce qui était arrivé, ni où j'allais atterrir. Vous avez atterri chez les jaunes. J'aurais préféré retourner chez les rouges. Atterrir chez les jaunes, c'était atterrir chez l'ennemi. Ce n'était pas évident, mais je me suis dit que j'allais faire avec. C'était déjà une chance de pouvoir revenir, donc je ne me suis pas démonté. Pourquoi ne pas avoir essayé de vous rapprocher humainement des jaunes plutôt que vous isoler en cherchant un collier? J'avais une cible dans le dos dès le départ. Je ne pouvais pas me permettre de tenter l'amitié sachant que peu importe les circonstances, j'étais dans leur viseur. En sachant ça, j'ai préféré assumer pleinement de chercher un collier. Avant le conseil, Tania a demandé à Gilles de lui donner le feu sacré. Lui en voulez-vous d'avoir comploté contre vous? Je ne peux pas lui en vouloir. Dans ce conseil-là, c'était elle ou moi. Elle a tout fait pour se sauver et j'aurais fait la même chose. Si est-ce un jeu et je ne lui en veux pas du tout. Qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez compris que vous étiez à nouveau éliminé? J'ai été un peu déçu, mais j'étais fier de moi. Je leur ai mené la vie dure, ça a été un casse-tête de m'éliminer et s'il n'y avait pas eu le talisman, je m'en serais sorti. Mon bluff a fonctionné, mais Denis a demandé si quelqu'un avait un collier avant de demander à Gilles s'il voulait donner son talisman. Si est-il ça qui m'a fait perdre. Pour eux, il y avait un suspense énorme avant de savoir si j'avais un collier ou pas. C'était la panique. Vous avez mis au point un joli bluff. Comment cette idée a-t-elle mûri dans votre tête? L'idée m'est venue sur l'instant, je n'avais pas réfléchi à cette stratégie avant. Quand j'ai compris que je n'allais rien trouver de plus que l'arme stratégique, le détournement, note de la rédaction, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un gros coup comme au poker, rire. Quitte à être éliminé, c'était mieux de l'être comme ça. Autant m'amuser et faire une vraie comédie. Un regret? Le seul, si est-il de ne pas avoir trouvé de collier pour me sauver. Pensez-vous que ce collier aurait pu vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'aventure? Je ne suis presque convaincu. Tout aurait été possible.